Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je suis en compagnie d'Agnès aujourd'hui à Radio Salvetta. Bonjour Agnès. Bonjour Vincent. Nous recevons dans nos locaux des invités à qui nous souhaitons la bienvenue et je vous laisse Agnès nous les présenter. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, aujourd'hui nous recevons l'auteur Jean-Didier Sougnou et son épouse Lilou. Et ce, pour son tout dernier ouvrage, Terminus, la suite de Voyage dans la maison des fous. Jean-Didier Sougnou et Lilou, bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Ce roman que vous avez écrit sous forme de nouvelle retrace en partie votre vie professionnelle en tant qu'infirmier psychiatrique. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors, vous nous dressez un portrait, les portraits de certains patients. J'imagine ceux qui vous ont le plus marqué. Oui, c'est surtout ceux qui avaient des singularités peut-être plus particulières que les autres. Mais également ceux de certains de vos collègues. Vous dénoncez également les travers et les ingérences, parfois involontaires et parfois volontaires du système, mais aussi ceux de certains de vos collègues. Et oui, nous n'évoluons pas dans un monde parfait, y compris dans ce milieu-là. Alors, des ingérences qui parfois peuvent s'apparenter à de la maltraitance, selon moi. Effectivement, d'ailleurs, je la dénonce, bien sûr, avec tout l'anonymat qu'il se doit. Absolument. Ce qui nous amène à parler de Madame Thatcher, en premier lieu, qui est une cadre supérieure détachée auprès des ressources humaines. Alors pourquoi cette comparaison avec Margaret? Alors cette comparaison avec Margaret Thatcher, parce que le physique, l'autorité, la main de fer quand même. Hein. Voilà, et puis c'est une dame, malgré tout, qui avait des aspects un peu sympathiques. Certes, il fallait aller les chercher, mais elle en avait. Donc, tout comme Margaret, du coup, elle devait en avoir. Et j'ai beaucoup moins connu Margaret. Alors... Votre collègue auquel vous consacrez l'entièreté d'un chapitre, Double jeu, est-ce qu'il méritait ce chapitre? Alors il le méritait pour le faire passer à la postérité des cons, si je peux m'exprimer ainsi sur votre onde, parce que effectivement il y a des gens qui portent comme un oriflamme, comme un flambeau, leur fainéantise et leur bêtise. Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus nombreux que l'on croit. C'est vrai. Et oui. Et alors, ils sont dans le paraître. Ils sont dans le paraître, ils ont un discours redondant, ils prennent beaucoup d'espace. Et j'ai remarqué la plupart du temps, ils ont un gros ventre. Hein. Alors, ils avancent avec leur ventre d'abord. Et ensuite, on voit la bobine, on se dit que ça ne vaut pas mieux. Et puis, quand ils se mettent à parler, on se dit, mon Dieu, il vaudrait mieux qu'ils se taisent. Ceci étant, il semblerait, enfin, on dit qu'on est toujours le con de quelqu'un. On est toujours le con de quelqu'un, comme on dit qu'il pleut toujours sur la tête des cons. C'est vrai, aussi. Alors ça, c'était Double jeu. On va passer au personnage Foreman, qui est tout aussi délirant qu'attachant, selon moi. Et vous étiez pour lui son sergent instructeur de sport, de combat. Et lui, le colonel. Non, il y a une petite erreur. Ah, dites-moi. Moi, j'étais son instructeur de sport de combat. Alors, pour la petite histoire, sur les dernières années de ma carrière, j'avais passé des diplômes qui me permettaient de m'occuper du sport. Hein. J'avais un diplôme d'ASPA, activité sportive et physique adaptée. Et j'ai un DU de relaxologie qui me permettait de faire la relaxation. Et donc, je faisais faire de la gymnastique aux patients. Et Foreman, nous l'appelons comme ça, nous regardait faire derrière les vitres de la salle de sport. Et un jour, il est rentré et il m'a dit « Attention, sergent, faut pas entraîner les djihadistes comme ça. » Et alors forcément, nous étions en pleine période d'attentats islamistes. Et là, ben, j'ai cru que j'allais quand même me faire drôlement arranger. Il a dégoupillé. Et bien, il s'est contenu. Il s'est contenu. Et puis, il est monté porter ses doléances auprès du colonel. Et le colonel étant le cadre de l'unité. Parce que dans son délire, dans sa grande folie, il avait tout à fait assimilé que j'avais un supérieur. D'accord. Et que si j'entraînais ces gens-là, c'est bien comme on avait donné l'ordre.
Très bien. Alors, on va passer à un autre personnage, la mascotte. Alors, c'est un personnage qui est emporté, menaçante, et au même titre qu'elle peut être dotée d'un d'éclat de rire, on ne sait pas d'où il sort d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah, la mascotte. D'en parler, vous voyez ça ? Je suis ému, honnêtement. Vous êtes son seigneur, oui. Et elle est votre préférée. Voilà. Alors, c'est ce que le dit à tout le monde. Ouais. Moi, je suis le seigneur. Je suis le seigneur parce que, bien oui, j'ai plein de jeunes collègues. Moi, j'ai presque, à ce moment-là, presque 40 ans de boutique déjà. Donc, je suis écouté, respecté. Peut-être je suis agaçant, peut-être certains ne me tolèrent pas. Mais la majorité m'écoute, viennent prendre des enseignements professionnels. Un sage. En quelque sorte. Et mascotte, elle l'a compris. Parce qu'elle aussi, c'est une ancienne en psychiatrie. Au même titre que moi. Elle a de la boutique, elle aussi. Et alors, quand on la regarde, effectivement, c'est le portrait de la monomane qui a peint Géricault. J'engage vos auditeurs à aller regarder ce tableau sur Internet. Il est magnifique. Et alors, le délire en permanence. En permanence. Eh bien, moi, je suis le seigneur. Attention, avec un E, pas un A. Hein. Oui, oui, ok. Mais alors, du coup, elle a de la boutique en tant que patiente. Et oui. Oui. Elle a de la boutique en tant que patiente. Mais elle a existé aussi avant. Voilà. Parce que les gens ont l'impression que, voilà, on est dans un hôpital psychiatrique, on n'a jamais rien fait d'autre de sa vie que d'être fou, entre guillemets, hein, puisque c'est un mot que j'aime pas trop employer. Voilà. Sinon, comme qualificatif. Hein. On va dire qu'ils ont des déviances. Non. On va dire qu'ils ont beaucoup de malheur. Ça me suffira. D'accord. Alors, Dame Tartine, selon vous, elle ne devrait pas se trouver en psychiatrie ? Absolument pas. Alors, pourquoi on s'est débarrassé d'elle comme ça ? Pourquoi on l'a balancée, si je puis dire, en psychiatrie ? J'aime bien votre mot, pourquoi on s'est débarrassé d'elle ? Parce que c'est le mot qui convient. Eh bien, parce que cette pauvre dame, qui est une psychotique de longue date, certes, qui dit psychotique, dit pourquoi pas soins en psychiatrie, mais pourquoi enfermement ? Elle vivait avec sa maman. Et sa maman était vieillissante. Et je crois même qu'elle était décédée à ce moment-là. Donc, elle ne pouvait pas vivre seule. Donc, ils l'ont positionnée sur une maison de retraite. Et c'est là où le bât blesse. Parce que le manque de formation a bien fait que ces gens-là ne sont pas supportés en maison de retraite. Ils font du bruit, ils se comportent différemment, ils font des petits caprices. Et ben voilà. Alors, en psychiatrie, là-bas, ils savent faire. Alors, est-ce que la psychiatrie, c'est le fourre-tout de tout ce qu'on ne sait pas gérer, de tout l'émotionnel, de tous les états émotionnels qu'on ne sait pas gérer ailleurs ? Alors, je vais parler, en tout cas, au moment où moi je m'y trouvais, je dirais oui. Mais je dirais qu'également, il devient aussi l'hébergement de beaucoup de gens qui n'ont rien à y faire. La plupart, je pense à des personnes violentes. Je pense à des états limites plutôt psychopathes que psychotiques qui occupent les places de psychiatrie, tandis que les pauvres psychotiques sont dans les prisons. Parce que ça, c'est une réalité. Et autant dans les hôpitaux psychiatriques, les jeunes qui ont la formation qu'ils ont sont démunis face à cette population, autant les gens qui travaillent dans les systèmes pénitentiaires sont démunis face aux gens qui présentent des pathologies psychiatriques. D'accord. Quelque chose ne va pas. Oui, paraît-il. Alors, on va parler du colis à présent. J'étais un petit peu choquée, tout en sachant que ça existe. Le colis, c'est une dame qui arrive chez vous d'une drôle de façon. Je crois qu'elle appuie sur la sonnette de souvenir. Quelqu'un répond à l'interphone. Et il n'y a pas de voix, il n'y a personne qui répond de l'autre côté. Mais elle a quand même su sonner. Ou alors c'est sa famille. Comment ça se passe ? Alors, qui a sonné à ce moment-là ? C'est sa famille. Alors, pour être tout à fait honnête, comme je le suis dans le livre, et je l'ai bien expliqué, c'est un de mes jeunes collègues qui me l'a raconté, cette histoire. Et chaque fois qu'il l'a raconté, il s'énervait. C'est un jeune bouillonnant qui prend son métier énormément à cœur, et que j'aime beaucoup, et que je salue ici. Eh bien, ils ont entendu sonner un dimanche matin, comme ça, et en regardant par la fenêtre dans la rue, il y a eu un bruit de moteur, ils sont vite allés voir. Une personne, mais bon, il a dit « je vais descendre » parce que les voitures souvent étaient vandalisées dans la rue.
Et là, ils ont trouvé une dame âgée avec une valise posée à côté d'elle, assise sur la murette. Voilà, alors l'histoire, c'est qu'ils seul. L'ont... Seul, bien sûr. Donc l'histoire fait qu'ils l'ont accueilli. Il a fallu mettre en route tout un processus. Hein. D'abord la médecine de garde, ensuite l'administration de garde, puis la gendarmerie, etc. etc. En fait, c'est une famille qui partait en vacances en Espagne. Ils n'avaient pas pu avoir d'hébergement pour la grand-mère. Ils avaient dû sûrement demander pour la mettre à droite, à gauche. Et l'été, malheureusement, beaucoup de gens qui partent mettent les gens en EHPAD pour un mois, deux mois, ça dépend. Et bien là, ils l'ont laissé carrément. D'où le colis, c'est vrai. C'est un peu irrévérencieux, je le reconnais. Mais je n'ai pas trouvé d'autre mot parce que c'est le seul qui me soit venu à l'esprit. Oui, je vois mal comment on aurait pu trouver autre chose. Donc oui, en effet, il y a des déviances avec l'administration, les soignants, mais aussi chez les familles. Bien sûr. Et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Alors, après, on va venir faire un petit tour chez les soignants. Et si vous le voulez bien, nous allons parler de la panthère. Alors, vous la dépeignez comme un personnage perfide, c'est-à-dire qu'elle dissimule ses actes derrière un aspect bienveillant. Je me trompe ? C'est exactement ça. Je l'ai bien écrit. Je suis content. Oui, c'était une façon de fonctionner des plus désagréables. Mais ce qui est encore plus désagréable, c'est de savoir que elle a drainé derrière elle, dans son sillage, tout un tas de jeunes un peu plus influençables, un peu plus malléables, en jouant un petit peu la matriarche. Hein, c'était une ancienne, elle aussi. Elle a provoqué des situations conflictuelles, mais en permanence. Par exemple, nous parlions tout à l'heure de cette adorable, de cette formidable personne qui était... la patiente qu'on évoquait, eh bien, elle a dû la faire mettre... Elle la punissait pour des cigarettes, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'était sa façon de punir. Parce que, bon, elle était toujours en recherche de tabac et il ne faut pas fumer dans les couloirs ni dans l'établissement. Mais aller expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas conscience de ni qui il est ni où il se trouve. Il fallait y penser, quand même. Ouais. Fallait y penser. Donc, elle la punissait. Voilà. Tu n'auras pas de cigarette cet après-midi. Alors, c'est justement, à mon sens, de la maltraitance. Je me trompe peut-être, mais ça y ressemble. Pourquoi, quand on sait ça, Jean Didier, vous y travaillez, vous êtes là, vous êtes présent. Pourquoi on n'intervient pas? Pourquoi vous n'intervenez pas? On intervient et j'interviens. Puisque, tout comme le cadre à ce moment-là, nous, on n'en a rien à faire. On prend les cigarettes et on les lui donne. On la laisse gueuler dans le vide. Parce que c'est du vide. Mais personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut lui dire attention. Elle à est ce reprise. Que tu fais elle, là. Elle est reprise par le médecin. Elle est... Oui, mais comprenez bien que ce sont des équipes de 3 personnes. Ouais. Et nous avons besoin d'une unité, d'une cohésion pour fonctionner dans chaque amplitude. Ouais. Sinon, c'est un gros problème. S'il n'y a pas d'unité, on va à la catastrophe. Il y a besoin d'une cohérence. Donc, on ne peut pas chaque fois devant la personne dire je suis pas d'accord avec toi. On ne peut le dire. Qu'en retrait. On est d'accord, mais voilà. Moi je parlais en retrait, certainement mais on pas le fait, devant le patient. On le fait en retrait, mais vous savez, c'est comme les personnes, tu as compris, oui, mais qui en font mal leur tête. Oui, je connais certaines personnes comme ça. Mais j'ai envie de dire, si à chaque fois on met le doigt sur ce qu'elle vient de faire, si personne ne laisse passer, est-ce qu'à un moment donné, elle ne se dit pas... Mais il va falloir que je fasse, du coup, comme les patients, être docile et faire ce qu'on me demande de faire. Non, parce qu'elle est dans sa toute puissance. Bon, merci. Alors, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au tombeur. Alors, j'ai une première question. Est-ce que c'est le personnage de couverture, le tombeur ? Non, du tout. La couverture est une peinture d'un peintre allemand qui s'appelle Schiele. Le tombeur, c'est... Il lui ressemble, hein. Visage émacié. Oui, c'est vrai. Grandes oreilles, c'est vrai. Écartées. Mais maintenant que vous le dites, effectivement, ce pourrait être. Mais non, c'est une illustration d'un tableau allemand. D'accord. Ah, le tombeur, oui, le tombeur, ça c'est quelque chose aussi. Alors, il est ni méchant ni violent. Alors pourquoi la psychiatrie? Ah, parce qu'il est quand même, il présente quand même beaucoup de troubles psychiatriques. Hein. Il est caractériel. Alors,
il est caractériel, il n'est pas méchant bien sûr, mais il peut être violent dans ses accès de, dans ses accès caractériels. Et puis il est difficile à gérer, et puis il a des comportements qui font qu'il ne peut pas fonctionner normalement. Vous savez, on vit dans une société avec des cadres, avec une montre. Eux, ils n'ont ni le jour ni la nuit. Ouais. Voilà. Alors, forcément, au bout d'un moment, ils deviennent dérangeants. Mais si tous les gens qui dérangent devaient tous être enfermés, j'en connais quelques-uns qui seraient bien d'être enfermés en ce moment. C'est ce que, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que parce qu'on est différent, on doit être enfermé? Est-ce que parce qu'on n'a pas envie de respecter un cadre, on doit être enfermé? Voilà, c'est tout ça qui m'interpelle. Vous savez, les gens... maintenant, il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, je travaillais dans un asile. Je travaillais à l'asile de Cadillac, sur Garonne. C'est quoi la différence? L'asile, si on s'en tient au mot, à sa définition, c'est donner l'abri, donner le toit, donner le gîte, héberger. D'accord. Héberger et prendre soin. Maintenant, c'est beaucoup mieux, on est dans un hôpital psychiatrique. Il y a le mot hôpital dedans, donc on soigne. Ouais. Personnellement, je ne pense pas n'avoir jamais réussi à soigner quelqu'un de ses troubles mentaux, lui permettre de mieux se supporter, d'être mieux supporté sûrement. Mais qui peut prétendre, qui peut avoir ce pouvoir de dire « je vais changer la personnalité de quelqu'un ?» Ah, personne. Et puis alors, si on parle là-dessus, on se trompe complètement. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Non, on se trompe. C'est là l'erreur que font la plupart de mes jeunes collègues qui maintenant embrassent cette profession, ô combien belle, mais ô combien difficile. Ils arrivent avec une formation dans laquelle on va soigner, on va guérir. Parce que c'est beaucoup plus axé sur le somatique, c'est-à-dire le soin du corps. Bien. Une appendicite, on va l'enlever, elle ne va plus faire souffrir. Une dent, on va l'extraire. En cancer, on peut essayer de le traiter. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Ouais, ben ça, on ne le sait pas. Et ce n'est pas parce que je vous envoie tels signaux dans mes comportements ou dans mes attitudes que vous pouvez de façon certaine, quoi qu'en disent les comportementalistes, savoir à quoi je pense. Merci. Vincent, on peut faire une petite pause musicale, s'il vous plaît. Oui, on écoute Fauve, Voyou. Merci. Pars-toi, cache-toi, je t'ai dit qu'est-ce qu'il te faut de plus, t'en as pas vu assez. Et arrête de me regarder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te le dire pour que ça imprime? Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça a fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on n'efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu? C'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. Seul à poil face à ton flair avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin, parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant. Fuis-moi comme le choléra. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout. Voilà, c'était Fauve, le titre Voyou, que l'on affectionne particulièrement, Vincent et moi. Jean-Didier Sougnou, parmi les méandres de la psychiatrie, on y retrouve bon nombre de services et il est un peu facile de s'y perdre. Unité de jour, hospitalisation, unité fermée. Vous me direz au même titre que dans n'importe quel service hospitalier. Néanmoins, je m'y perds un petit peu. À quel moment on entre en hospice de jour, en unité fermée? Expliquez-nous, alors, s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit en amont, la psychiatrie, elle a ses secteurs, tout comme les services de soins généraux. Alors quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, qui a besoin de soins, va être hospitalisé dans un service dit ouvert en milieu psychiatrique, clinique ou hôpital. Il faut qu'il soit consentant. D'accord. Bien. S'il n'est pas consentant, il ne sera pas hospitalisé. Mais si son état nécessite une hospitalisation, alors il faut un service fermé. Mais pour rentrer, pour être admis dans un service fermé, il faut certificat médical, il faut un certificat médical de 24 heures, de 48 heures, il y a une autre confirmation,
Et bien sûr, il y a une décision, parce qu'il faut une décision de justice. C'est un arrêté préfectoral. C'est une décision qui justifie que l'état de la personne ne lui permet pas, il n'a pas le discernement pour voir qu'il est malade, et il est déclaré à ce moment-là dangereux pour lui-même ou pour autrui. Et ensuite, bien sûr, il y a un certificat de quinzaine qui revient faire le point sur l'état de santé mentale de l'individu, du patient. Et il y a des certificats, il peut tout à fait contester aussi, hein, parce que nous avons quand même un système qui permet la protection, quoi qu'en disent beaucoup de gens. L'internement abusif, j'en ai entendu parler qu'à la radio ou dans les médias. Ça arrive ou pas ? Voilà, honnêtement, je ne peux pas parler d'avoir, personnellement, été témoin d'un internement abusif. Est-ce qu'on ne devient pas fou d'être enfermé ? Est-ce qu'on ne devient pas amoureux de voir les autres amoureux ? Est-ce qu'on aime le soleil parce qu'il y a la pluie ? Je ne sais pas. On ne devient pas fou d'être enfermé. Ce qui est curieux à voir, c'est que ceux qui supportent le mieux l'enfermement sont ceux qui en ont le plus besoin. Parce que cet enfermement est une protection pour eux, d'abord. Parce que souvent, ces gens, ils sont, je vais reprendre un peu mon vieux jargon, ils sont éclatés, c'est-à-dire ils sont morcelés. Alors le morcellement psychotique, ça veut dire qu'ils n'arrivent plus ni même à se rassembler eux-mêmes dans leur corps, leur tête, en fait, c'est complètement éclaté, le mot convient. Donc une structure fermée, plus petite, leur permet de mieux se contenir, de contenir leur folie, et de se restructurer tout doucement. Alors il faut savoir que le travail qui se fait dans les unités fermées est un travail extraordinaire. Ce sont sûrement les unités où il y a le moins, voire où il n'y a pas du tout de maltraitance. Parce que les gens sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus vigilants. À la décharge des services ouverts, vous savez, quand vous êtes trois infirmiers, voire deux infirmières, pour plus de 30 malades, sur deux niveaux, avec une cour, avec les intrusions extérieures, je ne leur jette pas la pierre, croyez-moi, c'est très, très, très difficile. Merci. Alors, tout ça pour en passer à Miss Dantier, qui arrive en unité fermée. Elle est une personne caractérielle et diminuée intellectuellement. Et c'est en fait la question que je me posais. Voilà, le fait d'être enfermée ne rendrait-il pas n'importe qui agressif ? Moi, la première, je pense. Hein. Oui, parce que vous réagissez normalement. Enfin, je suppose. Bah, je l'espère pour moi. Je vous le souhaite. Mais... Et s'en sortir, c'est devenir docile et exécuter les ordres, alors, en fait. Devenir docile, c'est... Je l'ai entendu ça des fois prononcé par mes jeunes collègues et chaque fois, je dis, ouh là là, on n'est pas des dresseurs. Hein, on ne va pas dresser quelqu'un à être docile. Non. Je ne parle pas, en fait, pardon, je m'exprime mal, mais je ne parle pas ni des infirmiers, ni des médecins, je parle d'un système. En fait, est-ce qu'on ne veut pas rendre ces gens-là dociles pour plus de facilité à les gérer, tout simplement, pour... Non, c'est leur permettre, essayer de les amener vers un état qui leur permette, comme je disais tout à l'heure, de mieux s'accepter eux et d'être surtout d'être mieux acceptés. Miss Dantier, par exemple, elle sortait, elle allait faire ses courses, elle allait chez sa maman, mais elle n'a aucune notion du temps. Et donc, au bout de combien de temps elle est sortie ? Elle est toujours sortie. À partir du moment où elle ne sortait plus, c'est quand sa maman ne pouvait plus la prendre. D'accord. Bon, la maman, bien sûr, était un petit peu défaillante parce que dépassée, elle avait plusieurs enfants, donc la plupart étaient du même état que Miss Dantier. Ouais. J'ai failli dire son prénom, que Miss Dantier. Et c'est compliqué parce que pour moi, c'était une gamine complètement paumée, complètement perdue. Alors, elle faisait des crises, mais elle provoquait ces crises parce qu'elle avait un pouvoir extraordinaire. Elle l'a sûrement encore. Celui de pouvoir vous amener... Là où elle voulait. Là où elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était vous amener à vos limites extrêmes, au clash. Parce qu'il n'y a que dans le clash qu'elle existe. Quand elle va clasher, on va s'occuper d'elle. Elle va mobiliser l'attention et enfin elle existe. Quand on a compris ça, on a réussi à la cerner et tout se passe mieux. J'ai fait les frais de sa violence.
Alors, est-ce que ça veut dire que... Alors, comment on réagit par rapport à ça? C'est le calme ou entrer dans son jeu? Ou surtout pas entrer dans son jeu? Déjà, elle n'a pas de jeu, au sens propre du terme. Ouais, ouais. Mais puisqu'elle existe par cet éclat. Voilà. Alors, l'apaiser, toujours l'apaisement. Viens, on la prend à part, on parle avec elle un petit peu à part. Alors attention, quand on fait ça, il n'y a plus qu'une personne pour surveiller les 30 autres. Nous sommes bien d'accord. Ouais. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. C'est cette difficulté. Et puis si elle a décidé, elle, en amont, que ce serait comme ça et pas autrement, alors là, rien à faire, ce sera comme ça. Une fois elle est arrivée, j'en parle parce que ça m'a marqué, parce que c'est une des rares fois où j'ai dû faire preuve de force et donc de violence, on est bien d'accord. Elle m'a sauté au cou, mais j'étais griffé et copieusement. Et donc, du coup, je l'ai soulevé, je l'ai serré par le cou et je l'ai projeté contre une porte. Mais si je n'avais pas eu cette force ou certaines techniques pour la maîtriser, c'était le clash assuré. Sauf que quand c'était à nous, comme disaient certaines personnes, vous êtes payés pour ça. Ouais, mais enfin, payé. Non, on n'est pas payé pour ça, mais nous étions payés pour ça, soi-disant. Ça pouvait s'entendre, à la limite. Mais quand il s'agissait de l'agression sur... une personne plus vulnérable, qui soit instable au niveau moteur, ou une personne âgée. Vous vous rendez compte? Il fallait veiller à ça, surtout. Ouais. Alors, après, on va passer à la postulante. Ah. Alors, celle-ci, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire vivre ce qu'elle inflige aux patients. Ah, ça, enfin, ça n'engage que moi. Hein. C'est peut-être un peu réac, j'en sais rien, je sais pas, mais j'ai envie que de ça. Alors, et autre chose que je ne comprends pas, parce qu'elle va rater son concours, mais on la laisse repartir auprès de personnes âgées. Comment peut-on laisser faire ce genre de choses quand on connaît ce de quoi elle est capable de faire? Parce que c'est bien, vos patients vont être sauvés, entre guillemets, par son départ, mais les autres... Alors bon, pour situer un petit peu le contexte, que nos auditeurs s'y retrouvent, c'est une personne qui vient là en formation. Elle vient là pour faire se préparer au concours d'aide-soignante. Donc elle intègre l'école de formation, l'Institut de formation d'aide-soignante de Narbonne. Et alors, très vite, on s'aperçoit qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Mais elle est déjà en poste dans une maison de retraite de la périphérie narbonnaise, où elle est employée, comme on dit, agent d'entretien, voilà. Mais manque de personnel, pleine de bonne volonté, donc elle s'occupe aussi des résidents. Changer les couches, donner à manger, bon. Après tout, si on part du postulat qu'on peut le faire chez soi, on peut le faire dans une EHPAD. Ouais. On oublie un peu quelquefois qu'il faut une spécialité, bref. Et alors là, ça a été... Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un comme ça, comme elle. Et je ne me suis jamais autant fâché, je n'ai jamais été aussi loin. Tout à l'heure, nous parlions avec la panthère de réaction. Nos réactions, nos propos étaient proportionnés à ses comportements à elle. Là, ça a été aussi proportionné. C'est-à-dire que, ni plus ni moins, je l'ai prise en entretien, je l'ai mise face à ses propos, qu'elle m'a répété bêtement. Parce que je pense qu'en fait, le problème venait aussi de ses capacités intellectuelles. Mais en fait, en tout et pour tout, heureusement, le cadre... m'a suivi et surtout a fait le nécessaire et elle a été exclue du centre de formation d'aide-soignants. Mais effectivement, elle est revenue... Elle a réintégré la maison de retraite, c'est grave. Oui, puisqu'elle y était titulaire. Pourtant, j'imagine que la maison de retraite a eu vent de... Mais bien sûr, la maison de retraite, il faut bien expliquer le pourquoi du comment l'exclusion. Ouais. Parce que c'est pas gratuit, c'est payant. La maison de retraite paye cette formation. Bon, les explications ont été données. Le mot de maltraitance a dû être prononcé quelque part. Mais, permettez-moi de vous le dire, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Il faut pas que la maltraitance se répète chez eux. Oui, mais il n'y a plus de personnel, alors on la garde. Alors peut-être qu'ils auront été vigilants, peut-être que pas. Mais elle, en tout cas, eh bien, elle a fait un petit bout de formation... Et il n'empêche que je suis sûr et certain qu'elle doit continuer à œuvrer dans sa maison de retraite. J'en suis certaine aussi. Alors, on va parler maintenant de la terreur. La terreur, durant 3 ans, il apporte dans l'enceinte de l'hôpital drogue, alcool, violence et raquettes.
exercer bien sûr auprès des plus faibles, sinon c'est pas rigolo. Alors en effet, c'est quelqu'un qui se joue d'un système défaillant, parce que sa place n'est pas là, enfin je ne pense pas. Comment ça a pu durer 3 ans, 3 longues années, avant qu'il ne soit dirigé là où il aurait dû être depuis longtemps déjà, c'est-à-dire la prison? C'est peut-être un petit peu dur, mais c'est aussi ce que je pense, à moins qu'il existe un autre service encore qui puisse gérer ce type d'individu. Alors, il y a d'autres services, on y reviendra dans un petit moment. Alors, pourquoi ça a duré 3 ans? Eh bien, ça a duré le temps que nous arrive un cadre suffisamment au fait de son travail et des lois, et suffisamment costaud physiquement pour y mettre un terme, parce qu'il a fait physiquement barrage. Il faut savoir que la Terreur, c'était un gars qui avait la taille et le physique d'un basketteur, qui arrivait toujours complètement chargé de toute drogue possible et inimaginable, donc aller le raisonner, aller lui parler, ça c'était exclu. Et pourquoi pas l'intervention des services de police? Ils sont venus plusieurs fois, et au bout d'un moment, ils ont arrêté de venir, parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre parce que dès qu'ils arrivaient au point où on pouvait le confronter à la loi, hop, le médecin-chef de l'époque l'hospitalisait. Et là, il est hospitalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien d'autre. Il est hospitalisé. Ouais. Bon, ça a duré ce que ça a duré. Il y a eu des violences quand même sévères, hein, puisqu'il se permettait de suivre certains agents pour savoir où ils habitaient, pour menacer leur famille. Ouais. C'est depuis, d'ailleurs, que nous n'avions plus que nos prénoms et non pas nos noms sur les badges. Ça a été une horreur. Il racketait les plus faibles. Enfin, il venait faire son business dans la cour de l'hôpital. Et la venue d'un nouveau directeur, d'un jeune directeur sur l'hôpital, et le travail qu'a fait le cadre, parce qu'il faut bien le dire, c'est le cadre et non pas le cadre supérieur à ce moment-là qui a fait ce travail-là, a permis de le confronter et de le confronter à la justice. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'il a été jugé, envoyé en prison, parce qu'il avait quand même un lourd passé avec homicide, nous nous sommes fait, mais alors vertement allumé, on a pris une volée de bois vert par le journaliste qui a fait son article en disant que nous ne voulions pas soigner un pauvre psychotique. Mais c'était pas un pauvre psychotique. Et non. Et alors on en revient à ce que nous disions un petit peu avant sur les structures pour les accueillir. Effectivement, la France a un système très bien fait, au moins ça pour ça. Nous avons les services ouverts, les services fermés, les établissements pénitentiaires avec leur centre de détention, leur maison d'arrêt. Et il y a aussi ce qu'on appelle les SMPR. C'est les services de santé médico-pénitentiaires. D'accord. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait les UMD. Il y en a encore, mais il n'y a plus de gros centres UMD comme celui où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans et que j'évoque dans Voyage dans la maison des fous. Il y avait 4 grands centres comme ça. Hein. De mémoire, il y avait Villejuif, Sarreguemines, Montfavet à côté d'Avignon et Cadix-sur-Garonne, l'UMD de Boissonnais, où je travaillais. Maintenant, tous les hôpitaux ont une petite structure fermée. Mais ce ne sont pas des UMD dans lesquels il y avait du personnel formé avec un système de sécurité adapté où on soignait. Et ça, c'était la passerelle entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Ça permet d'affiner le diagnostic au médecin. Et vous savez, quelquefois, souvent, certains nous disaient « je préférerais être en prison ». Mais ça, on les a fermés. Aussi, on voit le résultat, on l'a vu sur Toulouse récemment. Les gens ne peuvent plus être protégés d'eux-mêmes, et donc la société non plus, parce que ces structures ne sont plus adaptées, parce que le personnel n'est pas assez formé. C'est un petit peu tard, hein, maintenant. L'État fait machine arrière depuis une dizaine d'années. Mais il faudra attendre sûrement 2050, comme dit le gouvernement dans son dernier décret, pour qu'on revienne à peu près à une normale. Mais là, on est sur la... Enfin, voilà, c'est une réelle défaillance du système. C'est un homme qui a été condamné pour des agressions, qui ressort après avoir purgé sa peine, et que l'on va balancer en psychiatrie. Et oui, mais il ressort avec un suivi psychiatrique obligatoire. Donc il vient chercher son suivi psychiatrique obligatoire, il vient à l'hôpital, mais il y vient, il fait son business. Mais lorsque vous tirez la sonnette d'alarme et à plusieurs reprises, personne ne vous entend. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Mais vous êtes payé pour ça, quand même. Vous êtes payé pour supporter ces gens-là. Bon. Par ailleurs, vous allez consacrer un chapitre entier à la valse des médecins.
La valse des médecins, est-ce que on pourrait le dire également pour tous les autres soignants, où ça n'a existé que chez les médecins? Non, ça a existé surtout chez les médecins, parce que les soignants, quand même, il y a une certaine stabilité. Ça bouge que si jamais le soignant a envie de changer d'unité ou de secteur, ou alors s'il ne fait plus l'affaire, ou je sais pas, ce qu'il y a trop longtemps qu'il y est, qu'il faut l'amener à se renouveler un petit peu. Non. Je n'ai vu ça vraiment que chez les médecins, et en particulier sur cette structure-là. J'avoue que là, c'est le pompon quand même. Là, on atteint le summum. Là, on est dans les cintres du théâtre. Hein. Il y a beaucoup d'histoires d'ego, d'orgueil et de... Alors, les égos... Ils sont surdimensionnés quand même. Oh là là, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Vous nous en parlez un petit peu, un petit exemple. Allez, un petit truc croustillant. Allez, un petit... Alors, on va passer sur la guéguerre des médecins, que, les chefs, quand ils sont investis de la chefferie, comme on dit, et que ce sont des femmes, parce que alors, ouais. C'est... Les hommes, c'est pas malin, mais les femmes, c'est pire. Hein, excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein, c'est... Mince. Moi, je n'invente rien, je l'ai vécu. Hein, OK. Je travaille avec plein d'hommes, et c'est beaucoup plus agréable que de travailler avec plein de femmes. C'est comme ça. Rien, on n'y voyait pas ni côté machiste ni rien. C'est comme ça. Okay, ça flambe, c'est un constat, donc. C'est un constat. Ça flambe pour n'importe quoi. Une tenue vestimentaire, une coupe de cheveux, ça part en live, voilà. Mais alors, le plus fort, quand même, que j'ai vu, c'est un des derniers médecins qui m'était été donné de voir et de rencontrer. Alors, d'une part, il est extraordinaire. Il n'a jamais su retenir ni les noms ni les prénoms de ses collègues, des infirmiers et, plus dramatique encore, des patients. Bien. C'est un médecin qui nous arrive de la région parisienne. Donc, il a déjà, je crois, 74 ou 75 ans. Donc, belle expérience quand même. Oui. Logiquement. Oui, je pense. Belle expérience. Et alors, il vient de travailler parce qu'il doit travailler en addictologie, n'est-ce pas? J'y travaille un peu avec eux. J'ai également un diplôme universitaire d'alcoolologie. Et je travaille donc pour les patients en addictologie. Je les prends en charge, en sport, en relaxation, bref. Et cet homme-là nous arrive. Il est un peu bizarre quand même. Hein, grand coup dans les poils, il tutoie tout le monde. Il est comme ça, un peu euphorique. Limite de l'hystérie, on se demande, bon, quand même, c'est un mec des îles, il est sympa, c'est sa façon de faire, en fait. Voilà. Et puis on s'aperçoit que non, hein. Alors il arrive le lundi matin pour travailler, pour recevoir des patients en addictologie. Alors il faut que je vous le décrive, parce qu'il faut quand même peindre le personnage. Donc il a un pantalon à pattes d'éléphant, avec des petites vénures blanches, là, genre 60s. Jusque-là, après tout, on a le droit de s'habiller comme on a envie. Mais alors, ce qui frappe un peu quand même, c'est qu'il a une chemise qui, jadis, a dû être blanche, avec le beau logo des Férias de Dax. Très bien. Et puis, quelques reliefs d'anciennes taches un peu colorées, si je puis m'exprimer ainsi. Et le mec, il passe par un couloir. Et dans le couloir, j'ai un collègue qui trouve une cafetière et un cubi de vin rosé. C'était à lui. Ah ouais? Oui, c'était à lui. Et une des premières demandes qu'il a faites au cadre, c'est de dire « Ah, il faudrait me trouver un lit, parce que moi, dès que j'ai mangé, là, entre midi et deux, il faut que je dorme un peu quand même, 2 heures, là. Voilà, donc, si vous voulez, c'est quand même... » Tout le monde était au courant, administration. Mais comment faire? Il n'y a plus de médecins, il n'y a pas de médecins. On est bien content que lui soit là pour faire le nombre. Mais ça a été une catastrophe. Et les patients, là-dedans, ils s'y retrouvaient ou pas? Ils rigolaient. Ah, carrément. Parce que vous savez, les gens qui sont suivis en addictologie, ouais, mais ils ont ce problème d'addiction, mais nous avons eu des pharmaciens, des médecins, des maçons, des boulangers, des pompiers, tout ce que vous voulez, des policiers, toute la frange de la société. Alors, comme vous, comme moi, comme tout un chacun, ils sont capables de voir et de faire la part des choses. Merci. Alors, on va parler à présent de Karen, qui pour moi est un personnage attachant. Voilà. Vous allez l'aider à prendre soin d'elle, à lui redonner un semblant de vivre comme tout le monde. Est-ce que c'est gratifiant? Est-ce que ça fait du bien à l'âme? Plus que gratifiant, d'ailleurs. Ah, c'est plus que gratifiant, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici à ce micro pour remercier surtout Betty, parce que Betty, ma collègue de l'époque,
a lancé ce travail, c'est à son initiative, j'y ai participé, ouais. Mais elle a porté quand même le plus lourd du travail. Oui, alors Karen est une personne déficiente, bien sûr, ouais. Mais ô combien attachante. Alors elle se rêve Karen Cheryl, d'où Karen. Ouais. Et alors elle a une connaissance phénoménale, extraordinaire, de la discographie de Claude François. Ouais. Alors bien sûr, quand elle nous enchante, elle perd, elle nous enchante en deux mots. Hein. Mmh. Elle perd quelques mots, hein. Alors elle fait un peu le chewing-gum, elle l'arrange à sa façon. Mais bon, ça va à peu près. Et c'est une petite fille. C'est une toute petite fille dans un corps de femme malmenée. Alors, justement, j'allais vous dire, est-ce qu'elle avait vraiment sa place chez vous, ou elle est juste mal née, ou mal entourée, mal accompagnée? Elle avait sa place chez nous. Faut dire que ça, cette situation-là était postérieure à un traumatisme de la voie publique. Et donc, la prendre chez nous, alors là, en service externe, en CMP, centre médico-psychologique, ouais. Elle était hospitalisée. Elle venait en service externe, 3 demi-journées ou 3 journées par semaine, dans un centre à côté de chez elle. C'était pour elle, ça bouffait l'oxygène. Oui, parce qu'elle vivait avec ses parents âgés, donc c'était pas simple. Ses parents qui lui disaient, non, il faut pas aller dans la rue, hein, tu vas te faire violer. Ils transmettaient leur peur. Et oui, ils transpiraient leurs propres angoisses, et elle n'avait pas besoin de ça. Alors elle venait, elle s'exprimait, et un jour, eh bien, elle nous a dit, moi j'aimerais un appartement. Puis alors elle nous disait, être normal, puis avoir des enfants. Mais papa et maman ne veulent pas, parce qu'elle parlait comme ça, hein, voilà, comme une petite fille. Mais est-ce que justement, parce qu'il existe maintenant des appartements où on peut être accompagné, etc., est-ce qu'elle, elle n'aurait pas pu avoir cette place-là? Et elle aurait pu en avoir, mais vous savez, par exemple, lorsque j'étais sur Narbonne, nous avions des appartements thérapeutiques. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il n'y en avait que 3 ou 4, quelque chose comme ça. Déjà pris, bien entendu. Déjà pris, parce que c'est des secteurs... secteur immense, il faut quand même, et j'aurais dû commencer par ça, je m'en veux un petit peu de ne pas l'avoir fait, il faut dire que la psychiatrie en France est le parent pauvre de la médecine quand même. Alors que c'est celle qui a fait le plus de progrès sur les 50 dernières années, et qu'on est en train de la faire régresser aussi vite qu'elle a progressé. Savoir qu'en 56, ce sont l'apparition des premiers neuroleptiques. Mmh. Et vous vous rendez compte au point où on en est. On peut utiliser des neuroleptiques maintenant en ciblant exactement ce que l'on veut. On s'en sert pour soulager des douleurs lombaires, voilà, plein de choses. Et là, on est en train de faire regresser. On parle d'enfermement, on parle... Je comprends pas. Les jumeaux. Ce qui m'a vraiment interpellée sur ce chapitre, et j'en suis désolée, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, c'est cette phrase. Pauvre Frédéric, son scoop nous a fait beaucoup rire, tous autant que nous étions, patients et soignés confondus. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une erreur de frappe, d'un lapsus, ou d'un mot tout simplement volontaire? Et si oui, pourquoi? Alors, c'est pas volontaire. Je pense qu'il s'agissait et qu'il aurait fallu lire « soignant ». D'accord. Mais maintenant que vous me le dites, oui, j'aurais aimé faire le lapsus. Et on peut le retourner en le disant, parce que patience et soigné. Faut-il être patient pour être soigné? Et faut-il être patient pour les soigner aussi, croyez-moi. Alors, moi, ce qui va m'amener à vous demander pourquoi le choix d'un tel métier? Est-ce que par le biais d'apporter des soins à l'autre, on se soigne soi-même? Est-ce qu'il faut avoir une plaie béante pour intégrer ce type de secteur? Et si oui, quelle est la vôtre? On a tous dans nos sacoches des bagages. Voilà, des douleurs. Des douleurs, oui, bien sûr. Alors effectivement, au départ, on pense qu'on va... Je vais parler pour moi, je vais pas dire... Oui, parlez pour vous. On est là pour ça. J'ai sûrement cru que j'allais trouver quelques réponses à certaines situations, à certaines difficultés. Au départ, certainement. Mais après, je suis tombé amoureux de ces gens-là. Ça paraît curieux. Mais je suis tombé amoureux de ces gens-là. Et tant et si bien que mes propres douleurs n'avaient plus trop lieu d'exister, même si elles existent, même si elles sont toujours là.
on trimballe toujours nos douleurs hein, jusqu'au dernier jour. Ouais. Je pense même qu'on doit y repenser sur les derniers instants. Bon, moi, j'ai souffert peut-être un abandon, peut-être des situations un petit peu plus compliquées. Mais dans l'exercice de ma profession, je n'ai jamais été dans la résolution de ces problèmes-là, pas plus que dans celle des gens dont je m'occupais. Simplement faire en sorte d'être mieux, de mieux se supporter. Comme ouais. J'essayais de faire en sorte eh bien, que ces gens qui m'étaient confiés pour quelques instants, quelques moments, se sentent mieux et arrivent à se supporter. On ne peut pas guérir de ces blessures puisqu'on n'en a pas la maîtrise, on les subit. Vous savez, si vous prenez un bourreau et une victime, la victime, quoi qu'il se passe, restera toujours la victime. Le bourreau, lui, il continuera son œuvre. Pourquoi la victime ne peut pas devenir bourreau à son tour ? Souvent, on le constate. D'ailleurs, c'est malheureusement quelquefois le fond de commerce de certaines pathologies. Ouais. Mais je ne pense pas que l'on soit obligé de reproduire systématiquement ce que l'on a vécu. Moi, j'ai eu une chance immense dans ma vie, c'est que j'ai eu deux bonnes étoiles. La première s'appelait Madeleine, c'était ma grand-mère. Et la deuxième, c'était pas une étoile, c'était plutôt un roc. Il s'appelait Robert, c'était mon papa. Ils sont partis, mais j'ai d'autres étoiles maintenant. J'ai la mienne à ma gauche, à la place du cœur. Je m'attendais à ce que vous disiez, Lilou. Voilà, donc elle est là, elle est à ma gauche, à la place du cœur. C'est sa place. Ouais. Alors justement, Lilou, s'il vous plaît, comment on vit auprès d'un infirmier psychiatrique ? On vit assez facilement, mais en fait, quelquefois, il faut, je dirais entre guillemets, avoir une certaine patience. Mais après, quand on ne connaît pas le milieu de la psychiatrie, en fait, ça permet de savoir, de connaître un petit peu ce milieu-là. Bien que des fois, il en parle beaucoup trop, hein, parce que lui, il est toujours dans ce métier. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu lassant. Vous ne vous êtes pas oublié pendant un certain temps pour qu'il aille mieux ? Non, parce que notre rencontre, elle est, je dirais, relativement assez récente. Donc oui, sa douleur, je la connais. Sa douleur, il en parle beaucoup. Mais après, je veux dire, il faut savoir faire peut-être la part des choses. Ouais. Voilà. Et moi, je dis toujours, en fait, c'est jamais la faute à nos parents. C'est en fait, sa vie, on se la construit. On se la fait soi-même avec ses douleurs. C'est ce que je pense aussi, mais tout le monde ne pense pas comme ça. C'est probable, oui. Tout le monde ne pense pas comme ça. Très souvent, il est plus simple de rejeter la faute sur l'autre. Je suis comme ça parce que, sans vouloir prendre soi-même ses responsabilités, il me semble. Oui, c'est possible, oui, effectivement. Merci, Lilou. Avec plaisir. Alors, justement, Jean Didier, on ne ressort pas indemne d'une telle expérience. À mon sens, il faut un sacré équilibre dans sa vie personnelle pour ne pas basculer dans la folie. Est-ce qu'on peut se rejoindre sur ça ou pas ? Oui, oui. Oui, et j'en veux, pour confirmer votre propos, le premier entretien que j'ai eu avec la toute première psychologue avant mon embauche, qui me disait, mais vous voulez faire de la psychiatrie, mais quelles sont vos activités, quels sont vos hobbies ? Je ne connaissais pas le mot hobby. D'accord. Alors, elle fait des grands yeux ronds, elle me dit, vous avez des passe-temps ? Ah oui ! Alors, elle m'a demandé ce que c'était. J'ai écouté, je pêche. J'adore la lecture. Et c'est tout. Elle m'a dit, mais c'est parfait. Je lis toujours. Je pêche un petit peu moins, c'est parce que mes jambes sont un peu plus lourdes maintenant. Enfin, je pêche un peu moins, ça dépend dans quel sens on l'entend. Ouais, ouais. Très bien. Et puis l'équilibre, quand on fait ce métier, on le trouve auprès des siens. Voilà. C'est ça. Et des amis. Il ne faut pas laisser les amis de côté, parce que la famille ne la choisit pas, par contre les amis, on les choisit. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre parcours de parfois dévier un peu ou de, je ne vais pas dire péter un plomb ?
mais avoir des réactions inattendues. Et est-ce que vos amis sont là pour vous dire hop, 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 là, c'est, tu peux pas faire ça ? Dans le travail ? Peu importe. Dans le travail, non. De mémoire, non. Sincèrement. Après, péter des plombs, ça m'arrive. Hein. Même encore. Bon, okay. Je vais vous le confier puisque c'est entre nous. Ah bah oui, personne ne nous écoute. On va couper les micros. Absolument. Je suis assez coléreux et emporté. Voilà, je suis un vrai gascon. Donc, garde à rémouver, mais bien près de la tête. Hein. Et ça passe aussi vite que ça arrive. Oui, oui, je n'ai pas de rancune, je ne pense pas que je sois rancunier. C'est bien, c'est bien. Vous dites les choses, ça appartient à l'autre, et tant pis pour lui. Non, pas tant pis pour lui, fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Voilà. Vous savez, vous prenez un âne, vous l'habillez en soie, il va rester un âne. Ouais. Voilà. Même si on lui coupe les oreilles en pointe, ça restera un âne. Voilà, il ne sera jamais cheval de course. Ouais. Alors, la fin de Terminus est quelque peu inattendue. Mais j'ai choisi de ne pas en parler pour ne pas spoiler. Spoiler, c'est comme ça que l'on dit. Pour que les gens puissent lire Terminus, parce que c'est un livre très sympathique que l'on va lire facilement, qu'on n'a pas besoin d'avoir erré dans les couloirs de la psychiatrie pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe et qui sont les gens qu'on y retrouve. Donc j'invite les auditrices et les auditeurs à aller chez Pascal, à la presse Penarroyas, pour retrouver Terminus, qui est aux éditions La Plume d'Alain. C'est ça. Il me semble que vous allez faire également très prochainement, comment appelle-t-on ça, une dédicace. Tout à fait. Voilà. Et alors, ça va se passer où, s'il vous plaît? Alors, Lilou. La première dédicace aura lieu le 26 mars, le samedi 26 mars, à la librairie du Beffroi à Revel, de 9h à 12h. Au mois d'avril, il y aura une autre dédicace le samedi 2 au Rialet. C'est une auberge qui se trouve dans la campagne, qui est très agréable d'ailleurs. Et ce sera à 19h. On y mange bien? Absolument. C'est la cuisine de Mémé. Super. Et le 16 avril, ce sera à Saint-Pierre-la-Mer, de 10h à 12h, pardon. Et le 23 avril, ce sera à La Crozette, de 9h à 12h, c'est la maison de la presse. Et le 30, ce sera à Narbonne, au Cultura de Narbonne, de 10h à 18h. Après, je peux vous donner celle du mois de mai. Ouais. Ce sera le samedi 21 mai à Castres, c'est une librairie, donc c'est de 10h à 12h et de 15h à 17h. Et le 28 mai, ce sera à la Salvetta de 10h à 12h. Donc à la presse Penarroyas. Je vous remercie, Lilou. Merci. Jean Didier, je sais que j'ai loupé quelqu'un dedans, et c'est le monsieur qui profitait du système. Celui qui n'avait rien à faire en psychiatrie, mais qui venait chercher quelques avantages. Et après, au niveau du système social, en chercher d'autres. Enfin, il y a tout un truc comme oui. ça. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Oui, mais parlons-en. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Je trouve ça tellement étonnant. Mais oui, vous avez plein de gens comme ça qui ont trouvé vraiment l'astuce. Alors ce monsieur... Il était extraordinaire. Il est arrivé en psychiatrie parce qu'il avait des problèmes personnels et financiers. Il avait acheté un commerce. Voilà, on ne va pas en dire davantage. Parce que, voilà. Et une maison et un commerce, d'un seul coup, il a acheté ça. Ça fonctionne mal. Alors, boum, je me suicide. Je prends la Mercedes et je me jette contre la pile du pont de l'autoroute. Effectivement, il s'est fait mal. Hein. Il a eu 12 points de suture. Enfin, bref. Il est arrivé chez nous, mais ce monsieur-là, inabordable. Il ne parlait qu'à madame... la médecin, chef de service. Et oui, nous étions les subalternes, les sous-fifres. Donc, il n'avait pas besoin de nous. Il avait besoin de nous qu'à la fin du mois. Parce qu'il fallait absolument, là, il tapait du pied devant la porte de chez le médecin, qui n'était pas là de permanence, pour avoir un certificat pour les assurances, vous comprenez bien, pour être pris en charge par les assurances. 2 ans, ça a duré cette histoire. Et chaque fois qu'on a ouvert notre bouche, parce qu'on l'a tous ouvert, on s'est tous fait envoyer la petite chaise. Et s'il n'y avait pas eu encore une fois la venue de ce cadre dont je parle, que j'évoque, mon ami Antoine,
Et un médecin qui, à l'époque, est arrivé, ils ont fait un duo fracassant tous les deux. D'ailleurs, tous les trois, on nous appelait les moupettes. Ah, voilà, parce qu'on était trois vieux de la psychiatrie, à tous les trois, on faisait plus de 150 ans de psychiatrie. C'est pour vous dire. Ah, ils l'ont foutu dehors. Mais lui, il s'en foutait parce que, de toute façon, il avait reconstitué son pactole. Et c'est bien tombé. En plus, il a vendu son commerce. Donc, il est reparti chez maman. Cet homme-là nous a coûté plus de 2 millions d'euros à la société. D'accord ? Vous entendez bien ce que j'ai dit ? Ouais. Plus de 2 millions d'euros. Mais comment on peut être médecin échelonné et se laisser berner à ce point ? On ne se laisse pas berner quand on est un médecin un petit peu anticonformiste, un petit peu, comment dirais-je, contre les règles sociales établies. Eh bien, on est heureux, je dirais, de prendre son pied en disant « j'ai pas droit de recevoir » et en sorte « je vous embrouille ». Okay. Pour parler poliment. Oui, j'avais compris. Alors, Jean Didier, pardon, Sounou, décidément, je bug au début et à la fin. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Bonne continuation, on peut se souhaiter à tous du soleil. Et je vais profiter de l'antenne pour souhaiter beaucoup de courage à tous ces gens qui travaillent encore en psychiatrie. Je sais quelle est leur douleur, quelle est leur peine d'être mis à l'écart, de ne pas être écouté, même pas entendu, voyez. Alors je veux leur souhaiter beaucoup de courage au système hospitalier. J'espère que toutes nos amies infirmières diplômées d'État libéral auront compris quel tort elles ont fait à la profession psychiatrique, puisque c'est sous leur impulsion que ce diplôme accordé par Madame Veil a été annulé. L'équivalence, je veux parler. Ouais. Alors qu'elles ont gardé l'équivalence en psychiatrie. Allez comprendre. Et puis, si vous le permettez, j'aimerais souhaiter, si j'avais ce pouvoir-là, un peu de paix dans le monde, et notamment en pays d'Ukraine. Bien entendu. Ah, si j'ai juste un dernier mot, votre petite fille a repris le flambeau. Oui. Et malgré tout, vous restez positif en vous disant que justement, cette nouvelle génération va pouvoir faire du bien à cette société qui va pas bien. Je le souhaite, mais Clara, au départ, était partie faire la psychiatrie, mais elle a fait quelques stages et elle ne se sent pas de faire la psychiatrie. Il n'empêche que déjà, vous voyez, elle serait presque professionnelle. Ça, c'est la puissance des débuts des années et de la blouse. Mais bon, c'est vrai que c'est dur. Franchement, j'aurais aimé qu'elle fasse un autre métier. Ah, c'est voilà, son métier. C'était ma question. C'est okay. Son métier. Elle l'a choisi. J'ai pas manqué de lui dire que ce serait très difficile. C'est beaucoup plus dur, je pense, pour une femme. Parce qu'une femme, va être tentée, et c'est logique, par la maternité. Ça fait une coupure. Il faut revenir. Et c'est un métier où, en permanence, il faut se remettre en question. C'est un métier qui évolue de jour en jour, par les techniques, par les savoirs, par les découvertes. Et puis, il faut savoir une chose. Le fou avec son entonnoir, image d'Épinal, obsolète et dépassée. Maintenant, le fou, c'est moi, c'est mon épouse, c'est vous, c'est votre collègue. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui est dans la rue. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Si on enlève les blouses blanches, ce serait à s'y méprendre. Ou pour certains, vous pouvez même leur laisser la blouse blanche. On se demande s'ils n'ont pas volé. Bon, bah écoutez, nous, on va vous souhaiter, quoi qu'il en soit, une vie pleine d'amour et de sérénité, si ça n'est pas de l'ordre du fantasme pour la sérénité. Et très belle continuation à vous. Et on vous recevra prochainement pour Voyage dans la Maison des Fous. Je fais les choses à l'envers, mais que voulez-vous ? C'est comme ça. On vous remercie beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse. Merci beaucoup pour votre accueil et votre gentillesse. Et bonjour et bonne journée à vos auditeurs. Eh bien, écoutez, merci à vous et à très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Merci d'être venu. La solitude.